La Fondation Gettler apporte son appui depuis 2 ans à 3 centres de santé à 69 km de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, à travers l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani. Une formation médicale construite en 2013 en vue d'apporter des soins de qualité supérieure et dans les meilleures conditions à la population de l'ancienne province orientale. L'objectif principal de cette intervention est d'assurer les soins de santé primaire, stopper la propagation des maladies des mains sales et ainsi réduire la mortalité maternelle et infantile dans ces villages et localités qui en ont plus que besoin. Mais cela ne se passe pas sans difficulté. Avec l'aide de Germaine, infirmière, elle anime des séances de sensibilisation des femmes en matière de planification familiale. Hormis les consultations prénatales et préscolaires, l'administration des vaccins aux enfants pour les prévenir des diverses maladies qui menacent leur vie, la Fondation a mis une clinique mobile à la disposition du médecin chef du département de médecine préventive et santé communautaire, le docteur Sandé. L'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, qui reste un hôpital à vocation sociale, disponibilise 17% de son chiffre d'affaires qu'il affecte à des actions sociales en faveur des malades indigents qu'il prend complètement en charge, en plus des actions sociales qu'il mène grâce à sa clinique mobile qui va à la rencontre des habitants des villages éloignés et qui n'ont pas accès aux soins de santé de base. Parmi les actions menées avec la Fondation Famille Gettler, il faut compter la vaccination des enfants ainsi que les enseignements préventifs sur la planification familiale.